Et bonjour jolie lumière. Alors je réponds à la question de Thierry qui me dit pourquoi je bloque au sujet de la visualisation. Et j'ai envie de te dire, si tu bloques au sujet de la visualisation, c'est que tu as du mal à t'ancrer dans l'instant présent. Je m'explique. Si tu es dans l'angoisse, dans l'attente, dans la demande finalement que quelque chose se passe, tu n'es plus, tu es hors de cet instant présent et la visualisation va être difficile. Pourquoi ? Parce que tu vas passer par le filtre du mental. Donc ce que je t'invite à faire pour visualiser, c'est vraiment comprendre qu'il faut te mettre dans un état modifié de conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement d'être présent à toi-même. Ça va commencer tout simplement par faire un petit rituel et de comprendre qu'en réalité, tu visualises tout le temps. Par exemple, quand tu te lèves le matin, tu visualises peut-être la machine à café, tu visualises que tu vas aller aux toilettes, tu visualises que tu vas prendre une douche, peu importe, tu es déjà dans la création, tu es déjà dans la visualisation. Sauf qu'elle passe par le filtre du mental et par le filtre automatique. Donc maintenant que tu as conscience que tu sais déjà visualiser les choses et que tu sais déjà comment faire, tu as simplement à calmer ton mental, à partir du cœur. Pour partir du cœur, c'est très simple et difficile à la fois. Il faut simplement que tu sois présent à toi-même. Donc un petit conseil, tu peux te poser dans l'instant, respirer. Surtout le matin, essaye vraiment de le faire le matin ou juste avant d'aller te coucher. Tu vas te poser, si tu veux, tu peux t'asseoir dans un endroit calme, mettre les mains sur ton cœur et commencer à visualiser des choses très très simples. Ça va commencer par le fait de te visualiser rempli de lumière. Si tu n'y arrives pas, tu peux visualiser une chose simple, tout simplement changer d'habit. Essaye vraiment par des choses qui sont simples, qui te parlent. Et petit à petit, tu vas voir que ton cerveau est capable de grands miracles. Et c'est un peu comme un entraînement. Si tu ne t'entraînes pas, bah, tu vas vite te décourager au départ et tu vas y renoncer. Alors que si tu t'entraînes régulièrement à visualiser des petites choses, tu vas finir par te rendre compte que c'est simple et que c'est fluide. Alors amuse-toi à visualiser. Quelque chose de très très simple aussi, c'est de comprendre à quel point fonctionne l'univers, comment il fonctionne. Par exemple, si tu es dans une attente que quelque chose se passe, déjà commence par visualiser quelque chose qui te vient, mais de manière très simple. Visualise que, je ne sais pas moi, qu'un petit cœur rose te sera visible aujourd'hui dans ta journée. Amuse-toi avec l'univers et tu verras que ce sera très très simple et fantastique. J'espère que j'aurai répondu à ta question et je te fais des gros bisous du cœur.